écoute, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte que je vais faire avec vous. Je me fais une petite récréation pendant que je fais ma boîte pour les fils, hein, que vous savez. Là, j'ai une petite carte à envoyer, donc je vais profiter pour faire cette petite carte. Donc là, ça va être une petite, vous voyez, par rapport à la 15-15. Là, c'est une 13, je crois. Je vais mesurer. Alors, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est une 13-13. Donc, je vais la faire dans un papier craft. Voilà. Comme ça. Et je vais la faire avec des dice, bien sûr. Bon, je vais la décorer. Je ne sais pas comment. Bon, je n'ai rien préparé, comme d'habitude. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Donc, je vais changer la caméra de place pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc j'ai pris une 13-13 dans Craft. Je vais d'abord coller dessus les feuilles autocollantes. Voilà, comme ça. Donc, c'est la Glitters. Couleur un peu bronze, voilà, et je ferai une découpe dedans avec ce dice. Voilà, donc là on va d'abord découper à la bonne longueur pour couper. Donc je vais faire, donc c'est une 13-13, donc je vais découper en 12,5. Donc, j'ai pas encore utilisé ces feuilles, donc j'espère que ça va aller. Alors, je vais prendre un cutter. Donc là, je garde les chutes, hein, ça peut servir, bien sûr. Donc là, d'habitude, vous le savez, moi, je fais comme ça, mais là, bon, exceptionnellement, je vais faire l'ouverture comme ceci. 12,5, c'est bon. Alors, on va le décoller. J'espère que ça colle bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas encore utilisé, putain, je les avais eu. Donc, c'est surtout de se mettre bien droit. On verra aussi la découpe si ça va bien. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre mon dice. Donc, je vais mettre un petit. Alors, j'avais tout à l'heure mon scotch. Alors, j'ai ma table qui est un peu en bordel. On va pas chercher les mots, hein. Avec alors pareil, on va se mettre bien droit. Voilà.
Donc là, bien sûr, pour la découpe, je vais l'ouvrir. Et j'espère que ça ira bien. De ne pas vous faire tomber. Je vais repasser encore une fois. Ça me paraît un peu dur. On va voir ce que ça donne. Je ne vais pas décoller tout de suite. Je vais repasser une fois. Je vais mettre debout pour avoir un peu plus de force pour le passage. Je pense que ça doit être bon. J'ai passé 4-5 fois, normalement ça devrait aller. Hein. Donc là, je vais l'enlever de toute façon maintenant. Alors, c'est pareil, ce dies, je ne l'ai jamais utilisé. Comme il y a beaucoup de découpe dedans, je vais d'abord enlever les petites. Voilà, les petites s'enlèvent bien. Avec ma petite brosse. Donc la brosse, ça va risquer d'abîmer. Le petit dernier qui va m'embêter, les filles. Je vous jure. Je ne veux pas que ça se déchire. Je vais le passer par au-dessus.
Il reste un bout. Il me reste un bout. Bon, écoutez les filles, j'enlève le petit bout, je reviens vers vous. Donc voilà, j'en suis venue à bout. Donc voilà ma découpe. Ah, mais je ne vais pas me laisser faire par un petit bout de papier quand même. Hein. Donc là, pour l'instant, je vais la mettre de côté. Pardon. Désolée les filles. Alors, je vais me prendre une feuille qui va me servir pour... Donc là, je vais me prendre une découpe de papier craft. Je vais la talquer. Voilà. Et je vais me prendre... Alors, un tampon. Alors, le tampon... Je vais prendre Tu es super. Voilà. Donc, je vais faire avec ma color box. Attendez, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Puisque l'autre, le blanc, j'ai plus d'encre dedans. Faire qu'il y ait bien de l'encre partout, parce que là je ne le fais qu'en une fois. J'espère que ça ira, bah, sinon je sortirai ma fausse Misty, mais ça va m'embêter pour un petit mot comme ça de sortir la fausse Misty. Là. Oh, ça a bavé. Mince. Bon, ça, je vais faire à côté. Oh, zut. J'ai appuyé trop fort. Voilà pourquoi j'aime pas trop prendre à la main. Je préfère la fausse Misty. Je vais essayer. Oui, c'est mieux. Voilà. Je vais couper. Voilà, celui de la poubelle. Je range mon encre. Et quand on a pris l'habitude avec la fosse, avec la Misty, et puis en plus je me mets de l'encre plein les doigts. Donc là, je vais le faire en noir. Je vais l'embosser en noir. C'est la poudre embossée noire, c'est Relief Caviar. Voilà. C'est celle-là. Nice Ink. Alors, j'ai refermé mon pot. Oh, dimanche matin, ça va pas, hein? Pas bien réveillé. On n'oublie pas de fermer son pot avant de prendre son pistolet chauffant. Bon, là, je ne la paye pas le handgun parce que ce n'en est pas un. Hein. C'est celui de Lidl, moi, que j'ai. Il me va très, très bien. Allez, ça va faire un peu de bruit, les filles. On voit les doigts. Voilà.
Non, j'ai besoin de ma feuille. Alors, je vais regarder un truc pour le découper. Son cœur, ça irait. J'aurais dû regarder avant, je suis bête. Bon, celui-là, il ne va pas. Celui-là, il va, mais bon, du coup, je mettrai quelque chose à côté. Voilà, ça me fait une petite étiquette, mais là je vais mettre quelque chose à côté. Ok. Alors le modèle au-dessus. Alors je mets tout le temps celle que je me sers le plus dedans, mais bon, ça c'est pas pratique. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur un nouveau rangement. Et ce sera beaucoup plus pratique. Alors, qu'est-ce que je vais bien mettre? Est-ce que je mettrai ça? Non. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Désolée les filles, hein, voilà ce qui arrive quand on n'a rien préparé. Ah. Ah, je crois que c'est celui-là. Oui. Non, sur ce côté-là. Voilà. Donc, mon double face 3D. J'en ai plus beaucoup. Hein. Puis je confirme, il n'y en a plus à Action.
sais pas pourquoi ils en font, ils veulent plus en faire. Mais bon. J'espère que vous n'entendez pas, j'ai mon ventre qui gargouille. Voilà. Alors, mes petites perles, elles sont là. Je vais tout tomber. Oups, viens là, toi. Alors, ces perles-là, pour les attraper, c'est une galère. Hein. Avec des petits cœurs. Là, j'ai manqué quelque chose. Je vais mettre un petit truc. Qu'est-ce que je mettrais bien? Je ferais peut-être un rappel. Alors, avec un cœur peut-être. Non, ça c'est trop grand. Celui-là va bien, il me faudra un autre cœur. Donc, on va faire un cœur dans le marron d'abord. Et cette carte, elle va vraiment être très simple, très rapide. Voilà. Donc, on va faire un petit cœur ici. Et on va faire un petit cœur. Alors là, je vais prendre ma chute.
dans le papier brillant autocollant. Ouais, un passage, ça suffit, donc là c'est bien. Oui. Alors, je l'ai mis là. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je colle bien le cœur au milieu. Là par contre, oui, je vais le mettre en 3D. Voilà. Voilà. Vous voyez, ma carte est finie, toute simple. J'ai envie de mettre une perle, mais non. Donc voilà ce que ça fait donc avec le autocollant. Alors attendez, je vais vous mettre le papier marron pour que vous voyez mieux. Vous voyez la découpe. Donc là, moi, j'ai plus qu'à mettre mon petit tampon derrière. Je ne sais même plus où il est. Il est là. Voilà, mon petit tampon. Pour dire que c'est bien moi qui l'ai fait. Voilà. Et voilà, ma carte est signée. Donc voilà, une carte toute simple qui fait de l'effet. Bon, on n'a pas galéré avec la découpe, hein, mais bon, je la trouve assez mignonne. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, les couleurs vont bien ensemble. Le craft, le doré un peu bronze, le marron. Voilà, et là, la reprise du craft avec les petits cœurs dorés, un peu cuivrés. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc c'était une petite carte, la petite carte du dimanche. Vous voyez ? Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, à partir de demain, on se retrouvera avec la boîte, la continuation de la boîte en cartonnage. Voilà. Voilà ce que ça fait derrière, vous voyez. Voilà. Écoutez, on se retrouve... Oups, je suis hors champ. Pourquoi? Voilà. On se retrouvera certainement demain, je pense, pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Et je vous fais
Plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et sous le soleil, parce que nous aujourd'hui on a du soleil. Et je vous dis peut-être à demain. Au revoir. Bisous, bisous.